Les 50 futurs alpinistes, c'est des stages qui sont mis en place par le comité régional Rhône-Alpes FFME, dont le but est d'initier ou de perfectionner les jeunes à l'alpinisme de la deuxième semaine de juillet à la première semaine d'août. Alors les stages s'adressent à des jeunes entre 14 et 22 ans qui sont scolarisés en Rhône-Alpes. La première journée, on fait une école d'escalade dont le but est de rappeler les techniques de progression en grande voie. J'avais jamais fait la grande voie, j'ai jamais fait. C'est pas mal, la course d'arête aussi. Là, j'ai vraiment bien aimé, enfin, c'est vraiment cool. Pourquoi t'as pas pris tes chaussons? Bah parce qu'on est en montagne. Les grosses? Oui. C'est la base. Déjà la vue, puis c'est sûr que c'est largement mieux que la salle. Hein. Et ben en fait, on s'entraîne toute l'année en salle, et après quand il fait bon, on peut venir ici se faire plaisir. La deuxième journée est consacrée à une course d'arête, donc ça permet de montrer aux jeunes l'escalade en terrain d'aventure et les techniques d'assurage en mouvement. J'ai vraiment beaucoup aimé la course d'arête, je crois que c'est ce que j'ai le plus aimé. Ouais. J'adore la montagne depuis que je suis tout petit, alors je sais pas, c'est comme ça, la montagne, j'ai vraiment envie d'en faire toujours. Alors la troisième journée est consacrée à une école de neige et de glace. Et là on passe à la deuxième étape où on fait la progression avec crampons. C'est quand on arrive sur le glacier, parce que cet après-midi, après qu'on ait fait nos exercices ici, on va descendre sur le refuge d'Argentière, et là on est complètement en milieu glaciaire. Donc il faut qu'on apprenne à évoluer en sécurité sur glacier. On cherche aussi comme hier, d'accord, à croiser les jambes pour s'économiser et à pas monter tout droit. Ah, appuie-toi dessus en calme. Doucement. Hein, le but n'est pas d'aller vite. Voilà, là c'est top là. Si tu poses tous ses pieds gauche comme ça, Nathan, c'est bien. Continue. Pointe avant. Voilà. On prend le temps de retendre bien la corde. Voilà. Des plus petits pas, Nico, ça suffit. Voilà. Essaye de bien cramponner pied gauche à plat et pied droit. Voilà, on tape toujours sèchement, piolet, crampon. Hein, on les utilise vraiment en canne. C'est nos seuls outils au niveau de la sécurité. La quatrième journée est consacrée à une montée en refuge. Je trouve extra d'amener des enfants au refuge de façon à leur faire connaître un univers qui est la haute montagne, mais dans un cadre ludique. Donc toutes les difficultés sont là, mais c'est d'amener des enfants, c'est un esprit qui est pur, comme chez nous, à Argentière. Et la dernière journée a une course d'alpinisme complète avec une progression en général sur glacier et ensuite une escalade rocheuse et puis un retour glaciaire. Ils sont tout neufs tes crampons là, c'est les tiens? Ouais. C'est le Père Noël ou? Non, l'anniversaire. Alors l'opération 50 futurs alpinistes a été possible grâce au tandem bénévole guide. On tient également à remercier la région Rhône-Alpes pour son soutien sur toutes nos actions montagne. Une grosse motivation et vraiment une bonne ambiance durant ces 4 semaines de stage d'alpinisme.